Alors évidemment, bien subitement. Bonjour à tous. Bonjour Emma. Bonjour Pierre Cross, enchanté. On va faire un jeu que on a créé. Enfin, que j'ai créé, mais j'ai pas envie de l'assumer totalement. Et l'idée est assez compliquée, mais j'explique. On va se poser des questions mutuellement pour en savoir plus l'un sur l'autre. Exactement. Parce qu'on se connaît pas plus que ça au final. Non. On s'est rencontrés par hasard à Lyon. Ouais. Et pour ça, on va écrire peut-être une dizaine de questions. Mm-hmm. On verra combien on en garde. Au lieu de se répondre nous-mêmes, on va demander aux gens sur Snapchat d'imaginer les réponses. Sauf que les gens ne vont pas savoir les questions, donc ils vont répondre totalement au hasard. Et on fera un petit test pour voir si ça correspond ou pas. Exactement, voilà, ça va être rigolo. C'est clair ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais, carrément. Ouais. C'est la première fois que j'arrive à expliquer un jeu de manière claire. Tu écris une dizaine de questions, j'écris une dizaine de questions, t'essayes de pas copier, t'as le droit de choisir ta couleur. Alors évidemment, je prends bleu. Ah d'accord, ben je prends rose dans ce cas. T'arrêtes de copier? Ouais. Eh, tu copies là? Eh non, sérieux? Attends, mais parce que peut-être 10 c'est beaucoup, non? On peut en trouver que 5, hein. Bon, on a une lampe qui vient de péter. On va mettre les autres plus fortes. Ça va? Ah va. Moi j'en ai 5. Qui sont pas mal. Je sais pas quoi mettre, merde. C'est gênant là. Les gens attendent. Mmh. Je vais tousser pour l'instant. Je peux? Ouais. Merci. En attendant, je précise que j'ai annoncé il y a 2 semaines que je faisais un régime. J'ai perdu 2 kilos à peu près. Sérieux? Mmh. C'est bien non, 2 semaines. Ça va? Ok. Terminé. On a chacun nos 5 questions. Donc maintenant, on va demander aux gens. Sur Snapchat. Vous allez devoir nous donner des réponses sans connaître les questions. Ce que vous voulez, donc 2 ans, bleu, cheval. Vraiment, vous dites des trucs un peu au hasard. Par contre, quand vous répondez, j'insiste bien, vous répondez sur le format suivant. Je veux voir que la bouche. J'hurle un peu, non? Allez-y, faites-vous plaisir. Oui. Tu veux me poser la première question? Ok. Honneur aux dames. Quel âge as-tu? Ok, donc là, on va essayer de trouver une réponse qui correspond. À New York. Un canapé. Habite. 42. Ah, t'as 42 ans. Oh, allez, je le note. Tu Très vois. Bien. Moi, je préfère les canapés. Moi, je préfère des bites. Je peux garder ça au montage. Ouais, c'est grave. Emma, quel est ton plat préféré? Des nains unijambistes. Mmh. Ça ressemble à des madeleines. Hein. J'adore manger. Des carottes. Quel est ton mot favori? J'ai pas compris le jeu. Okay. La Papouasie Nouvelle-Guinée. J'aime bien la Papouasie. Pourquoi fais-tu des vidéos sur internet? Je fais des vidéos pour De la sauce vinaigrette. De la sauce vinaigrette. J'ai trop chaud là. J'ai un rapport très particulier avec tes aisselles aujourd'hui. Ouais. Ça va, j'ai mis du déo. Oui, mais en début de journée là. Ok, alors moi j'ai une question que oui. Beaucoup de gens se posent et beaucoup de gens qui nous interviewent. Combien gagnes-tu, Pierre Cross? Ah, ça c'est intéressant. Eh bien, il faut savoir que je gagne exactement... Un éléphant jaune à pois rouge. Ok, donc tu gagnes un éléphant jaune à pois rouge... Tous les jours. Tous les jours? Ouais. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est... La fellation intestinale. Oh non! Avec combien de filles as-tu couché? Très bonne question. Il faut savoir, Emma, que j'ai couché avec environ... Une chèvre. Avec une chèvre. Ah, tu m'avais pas dit ça. Ce n'est pas très facile à expliquer. C'est vrai. Si, une chèvre plus... Moi, je dirais 5, à peu près. Donc 5. Et t'as quel âge? T'as 42 ans? Ça va. Ça va. C'est correct. Où te vois-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, je me vois... Pique-pocket. Je me vois pique-pocket. YouTube aura vraiment pas très bien marché pour toi. C'est quoi tes motivations dans la vie? Ce qui me motive dans la vie, c'est... Facile l'Ardèche. Il a dit quoi? Facile l'Ardèche. Alors vraiment, ma principale source de motivation pour mes vidéos, pour tout ce que je fais, c'est l'Ardèche. Emma, dernière question pour toi. Ok. Quelle est ton insulte préférée? Alors mon insulte préférée, c'est... Chewbacca. C'est bien ça. Il y a quelqu'un qui te vole ton sac dans la rue, tu cries Chewbacca. Allez, c'est tout pour moi. Bon bah voilà, on en connaît un peu plus l'un sur l'autre. Ouais, grave. J'espère que ça a plu aux gens qui regardent cette vidéo. Mais ouais, on espère que ça vous a plu. Tiens, je propose un truc. S'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube ou ailleurs, ouais, n'hésitez pas à refaire ce jeu avec un ami. Oui, et à pour vous amuser. Et à publier la vidéo sur le YouTube. Voilà, et puis taguez-nous sur Twitter, on sera très contents oui, de voir ça. Grave. Ça peut être cool si les gens refont ça pour voir ce que ça donne. C'était marrant. C'est rigolo, hein. Mais j'ai perdu une lampe. Ça, c'est affreux. À demain. Non, à lundi 6h30 parce que c'est la dernière vidéo de la semaine. À lundi 6h30. Merci.